Déterminé à accompagner les léopards de la République démocratique du Congo à la qualification pour la CAN Total Energy Maroc 2025 à l'issue de la double confrontation RDC-Tanzanie le jeudi 10 octobre 2024 au stade de Martyrs et le mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam, le comité national de soutien aux léopards, conduit par son vice-président Alain Boussi-Wasso, est passé de la parole à l'acte en apportant un soutien matériel d'un lot important de paquets d'eau pour permettre aux fauves congolais de se maintenir en forme avant la réception à Kinshasa de Taifa Star de la Tanzanie. Nous remettons au Connor, nous passons via le Connor ce colis symbolique d'eau. Nous avons remis en effet 100 paquets d'eau à notre équipe nationale pour qu'ils soient en forme par rapport aux deux rencontres qui vont se jouer jeudi et mardi prochain. Cela, c'est dans l'esprit d'aller vers cette qualification voulue par tous pour la CAN 2025. Je sais de cœur et des bénédictions, a déclaré Sabin Machini, membre du comité de normalisation de la FECOFA, qui, au nom du 11 national de la RDC, a profité de l'occasion pour féliciter la première structure de soutien aux léopards en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président. Je crois que le peuple congolais, donc les sportifs congolais qui vont voir ces images et puis qui vont avoir cette information, ils pourront être satisfaits et puis être très contents de vous. Et c'est signe de bénédiction ça. Et je suis en train de prendre les premières gouttes de cette eau de bénédiction. Nous sommes les enfants, les fils catholiques. Le fait que je prends cette eau, je suis en train de la bénir. Vous allez prendre cette eau pendant les entraînements et ça va vous donner un plus et la victoire sera certaine. Profitant de leur présence à la maison du football congolais, le membre du comité national des soutiens aux léopards ont acheté une quantité importante de billets, fruit de leur cotisation. Comme pour dire, ces derniers seront bien présents au stade de Martyrs comme 12e homme pour pousser nos léopards à la victoire finale afin de baliser le chemin de la qualification pour la CAN Total Energy Maroc 2025.